rentrer dans mon véhicule. Là. C'est encore quoi l'autorisation de rentrer dans mon véhicule? Je vais juste mettre en arrêt, sinon je t'arrête. Vous avez fait de l'auto... Je vais en arrêt tout de suite, sinon je t'arrête pour vous rentrer. Vous venez de faire du profilage racial. Vous m'arrêtez sans aucune raison. Vous faites un demi-tour comme ça derrière moi pour m'arrêter sans aucune raison. Vous n'aviez pas vu les cigarettes quand vous m'avez arrêté, puis je vous ai donné la raison. Moi, j'ai des amis qui en fument, puis qui en ont, puis ils m'ont donné deux paquets. Vous voulez faire un cas pour des cigarettes, aucun problème. J'étais super gentil, super poli avec vous. Je vous ai dit, madame... Non, j'étais super gentil. Je t'ai entendu, t'étais vraiment très impoli, très arrogant. Non, j'étais pas ni poli, ni arrogant. Non, j'ai parlé avec madame. J'ai parlé. Non, non, je suis là. Vous n'avez pas l'autorisation de fouiller mon véhicule. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous dis, vous venez de faire du profilage à soi. Je ne suis pas non plus dans ma bulle, OK? Je suis pas dans ta bulle, là. Je suis ici, moi. That's the reason I kind of feel that I'm being treated unfairly. It's because of the random following, random stops. Iman Niknam says he was stopped by Roussillon police earlier in the month and given a fine of $1,112, all for allegedly carrying a contraband cigarette. But he believes there's more to the story. I really felt at that moment that the police officer was looking for an excuse to put me under arrest. Niknam says he was stopped by police during what they called a routine check because his car had an F license plate. When he asked officers why he was pulled over, that's when they asked him to step out of his car. Niknam says police searched his car without his permission. During the search, police found what were allegedly the illegal cigarettes. I was asking this lady, like, why did you do your U-turn? I was just trying to, like, figure out a way. Is this something that I'm doing? Am I acting weird? Or what can I do to just make you guys feel that I'm not a criminal and that I can go on with my day also? Once Niknam asked for the officer's name and badge number, that's when, he says, the situation escalated. Just the fact that I took out my cell phone, it just showed that I felt vulnerable and threatened. Niknam was issued three tickets, one for having six contraband cigarettes, a second for obstructing a peace officer, and a third for not providing proof of insurance, which Niknam says he did. City News reached out to Roussillon police, but did not hear back in time for broadcast. In Montreal, Sweeter Rassi, City News. Rentrer dans mon véhicule, là, je n'ai pas l'autorisation de rentrer dans mon véhicule. Je vais juste mettre en arrêt, sinon vous je avez fait de leur... vous avez... Je m'en arrête tout de suite, sinon je t'arrête pour vous rentrer. Vous venez de faire du profilage racial. Vous m'arrêtez sans aucune raison. Je m'en arrête. Vous faites un demi-tour comme ça derrière moi pour m'arrêter sans aucune raison. Vous n'aviez pas vu les cigarettes quand vous m'avez arrêté, puis je vous ai donné la raison. Moi, j'ai des amis qui en fument puis qui en ont, puis ils m'ont donné deux paquets. Vous voulez faire un cas pour des cigarettes, aucun problème. J'étais super gentil, super poli avec vous. Je vous ai dit, madame... Non, j'étais super gentil. Je t'ai entendu, t'étais c'est vraiment très impoli, très arrogant. Non, j'étais pas ni poli, ni arrogant. Non, j'ai parlé avec madame. J'ai parlé. Fait que là, tu vas rester non, je suis là. Vous n'avez pas l'autorisation de fouiller mon véhicule. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous dis, vous venez de faire du profilage racial. Je suis pas non plus dans ma bulle, OK? Je suis pas dans ta bulle, là. Je suis ici, moi. Mais là, vous faites du profilage racial. Moi, je comprends pas ce que vous faites ici le matin, là. Je suis là, je suis pas dans ta bulle, là. Je suis pas en détention, je peux m'en aller si je veux, là. Je suis pas en détention, j'ai commis aucun crime. Est-ce que je suis en détention? Présentement, t'as-tu tabac de contrebande dans ton véhicule? Est-ce, quoi? Est-ce que tu comprends? T'as-tu tabac de contrebande? Non, j'ai pas de tabac de contrebande dans mon véhicule. Ça, c'est du tabac de contrebande. OK, vous avez trouvé deux paquets. Tant, OK, c'est bon, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous allez m'arrêter pour deux paquets de cigarettes? Comment? Vous allez m'arrêter pour deux paquets de cigarettes? C'est en état d'arrestation. J'ai dit que si tu rentres dans ma douce... Tout ce que je vous dis, là, un matin, il y a eu du profilage racial. J'ai demandé l'information à madame. Elle voulait me donner aucune information. Vous m'avez donné les informations? Vous m'avez donné l'information? Je vous ai demandé pourquoi... Je vous ai demandé pourquoi... Ça fait quatre fois cette année que je me fais arrêter par des polices qui font demi-tour devant moi sans aucune raison. Je parlais avec vous, madame. Je parlais avec vous. Vous m'avez dit, ça me donne rien de discuter avec toi, ça va nulle part, cette affaire-là. Ça faisait quatre fois, je répétais. Hé, madame, vous êtes des travailleurs de la paix. On vous paye avec nos taxes. Si j'ai une question à vous demander, là, vous pouvez pas me traiter comme ça. Puis venir pas ma... esclave, par exemple. Non, 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 j'ai pas demandé d'esclave. Retourne dans ton char. Tu me parles comme ça. Je peux avoir ton nom et ton numéro de badge, s'il te plaît? Tu vas l'avoir. Tu l'as déjà, Lucier 566. Tu l'as sur le petit carte. Okay. Là, tu t'en vas dans ton char tout de suite. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tout de suite. Tu devrais aller. Mais c'est vous qui m'avez arrêté. Oui, mais là, vous devez retourner dans votre véhicule. C'est assez clair comme conseil. Là, vous attendez dans votre véhicule. Oui, filmez-moi autant que vous voulez, ça me dérange. Non, je vous filme. Non, c'est pas pour faire de la manœuvre. C'est juste parce que là, je sentais que ça commençait à dégrader. Ça commençait à dégrader cette affaire-là sans aucune raison à cause de vous deux. Au lieu de d'escalader la situation, vous dégradez un dimanche là, matin. Attendez dans votre véhicule, on va vous remettre des documents. Mais c'est correct.